Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Fulmino, ton youtubeur préféré. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la découverte du clip préfet de Nino la fraude. Non, vrai, pourquoi je dis Nino la fraude? Parce qu'il a été suspecté d'acheter des streams un peu à travers le monde. Mais bref, du coup ça me fait rire de l'appeler comme ça. Même si Nino, évidemment, on t'adore Nino, tu es vraiment le préfet de la génération. En vrai, tu fais des sons qui sont plutôt pas mal. Même si, voilà, hein, cette histoire de stream acheté, voilà, on sait pas trop quoi en penser. Mais bon, ça me regarde pas, moi je suis juste là pour l'amour du hip-hop, pour écouter des sons, pour en prendre plein les mirettes quand on regarde un clip. Donc voilà les gars, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, putain, j'ai une tache sur mon t-shirt, c'est quoi ce bail? Qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, on va se lancer le clip, mais avant toute chose les gars, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On est bientôt les 1000 abonnés les gars sur la chaîne YouTube. Oh, y'a rien qui va, frère. Bref, toujours, hein, toujours la technologie avant tout. Voilà, regardez-moi ça si c'est pas beau. Le petit clip de Nino, refait, clip officiel, 1,3 million de vues en 2 jours. C'est sûr, il doit y avoir un commentaire, il doit y avoir un commentaire, les gars. Waouh, 1 million de vues et sans passer par YouView. Enfin bref, allez les gars, on est parti. 2 minutes 58 le clip. J'ai toujours rêvé d'être dans le top, seul face à la jalousie. Ok, c'est bon, j'ai le son en tête. J'étais pas sûr, mais c'est bon, j'ai le son en tête. Let's go! El Patron! Par contre, le costume, j'ai un doute. Hein. Le costume, j'ai un doute sur la veste fermée, là, comme ça. Ouais, j'aime pas trop. Même le président, il s'habille mieux. Rally, 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 ice on rally. J'aurais d'être dans le top, sur face à la jalousie. Non, par contre, j'ai un vrai délire. Pourquoi il met les sous-titres en anglais? Ça y est, les gars, ça y est. Il s'est dit, je suis écouté jusqu'au fin fond de la Malaisie. Je mets les sous-titres en anglais parce que j'ai ses pères. Mais frère, t'as oublié que c'est toi qui as acheté les streams. Non, je rigole en vrai. Et ça montre vraiment une volonté du rap français de s'expatrier à l'international. Et ça, ça fait plaisir parce que du coup, pour un peu montrer qu'on n'est pas des noobs dans le rap français, voilà, on est quand même des mecs chauds. Bang. La petite Lambo. Oh, la petite bague. Non, mais non. Arrête avec ton placement de produit Winamax, frère. Arrête. T'es déjà millionnaire, arrête. Mais les gars, on en parle d'un truc ou pas? Les placements de produits dans les sons de rap, c'est vraiment une image fixe sur le produit pendant plusieurs secondes, en mode tu vois plus que ça, tu vois. Enfin, le pire, c'est les clips avec Jules et tout. Des fois, il y a 5 placements de produits par son. C'est infernal, mais bon. Ça, c'est lourd. J'aime trop quand il y a des petits discours comme ça. Bébé, je peux pas t'aimer tous les jours, j'ai des plans trop juste dehors. Oh, timide sur les pas de boxe, frérot. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est quoi ce peuple en bas là? C'est les gens qui sont là en train de le regarder clipper. Enfin, j'imagine que c'est pas vrai, hein, que c'est un montage, mais... Ok, il est là en mode, ouais, il est devant la foule et tout. D'accord, c'est le délire. Ok, 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 bah le clip, j'avoue que le clip là, il y a des gros efforts qui ont été faits quand même. Avec, c'est quoi la ville? C'est, je sais pas, ça devrait être une ville aux États-Unis, ça, avec des grands immeubles comme ça et tout. On voit vraiment que c'est le patron, genre, ce qu'il veut nous montrer, c'est que c'est le chef. Et là, on se rend compte que c'est un chef, ok. Par contre, les gars, moi j'étais choqué par ce son. C'est juste un refrain en fait. Genre, si vous regardez bien les paroles, il n'y a pas un couplet. Il répète une fois le texte, après il y a un discours qui dure 1 minute, et après, hop, il refait le même texte. Donc en vrai, on s'enjaille trop sur un son alors qu'il y a vraiment très peu de paroles. J'aime bien le clip, mais attendez, parce que j'avais vu quoi? Les coulisses du tournage de Refait à Los Angeles avec Nino. Bah en vrai, les gars, venez, on regarde ça aussi. À Los Angeles, ok, donc j'avais raison, c'est aux États-Unis. Bon, je pensais New York ou Manhattan. On peut pas toujours avoir raison. Oh. En vrai, ça, je kiffe, hein, les petits reportages comme ça. Très équilibré, hein, le petit déj. C'est Nino, ça? Ah oui. Ah oui, d'accord, c'est là où il y a la pochette, ça. Waouh, la veste, là, elle est incroyable. Hein. Ça doit être vraiment un délire, quand même, de tourner un clip comme ça. Quand c'est toi la star là, même les caméramans et tout, ils doivent se régaler en vrai. Tombé de la nuit. 5 p.m. Il est 17h là. Ils ont vraiment monté un lit ici, putain, c'est dingue. C'est vrai que ça cet album, c'était un classique hein, quand même. Alors les gars, pour moi, Destin, il est plus fort que Refait. Hein. La cover, elle est dingue hein, quand même. Non mais... En vrai, t'imagines, t'écoutes tout le temps, t'écoutes tes sons quand même, ça doit être lourd. Hein. Putain, ils font tout dans la même journée, ils doivent être KO là. D'accord. C'est quelque chose, hein.
Oh, en vrai, les gars, c'est là où on comprend mieux pourquoi est-ce qu'il a fait le petit placement de produit Winamax et tout, parce qu'à mon avis, ça a dû coûter un petit bras hein, pour louer l'immeuble là et tout. L'équipe de tournage, le matériel et tout. Bon, je me fais pas de soucis pour lui, hein, mais bon. Par contre, on en parle qu'un mec, il a fait un faux clip réfé. Il a fait presque autant de vues que le vrai Nino. Les gens comme ça, c'est des génies en vrai, hein. Ils sont très chauds. Bon, les gars, la vidéo touche à sa fin. J'espère que c'était cool, que vous avez apprécié. On a regardé le clip et quelques petits moments du making-of et tout pour mieux comprendre où c'était situé, comment ça s'est passé et tout. Tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez de Nino, si vous aimez ou si vous pensez que c'est une fraude. Bisous tout le monde, c'était Fulmino. Sbaou, sbaou, sbaou. J'ai toujours rêvé d'être dans le top, sur face à la jalousie. On fait du bénéfice pour le confort, y'a que le bon Dieu qui m'adoucit.